Amis internautes d'ivoiretv.net, toujours ravi de vous retrouver, je vous dis bonjour. Nous sommes venus dénicher pour vous un artiste et non des moindres. Il est l'un des meilleurs de sa génération, il est arrangeur et évolue bien avec son concept le freestyle. Il sera en concert le 8 décembre prochain au Palais de la Culture. Voici pour vous Baby Philippe Amessan. Still, does
Et vous, voilà, ça sera la batterie seule. Okay, bon. Où il y a le pied seul. Il y a les... À la fin, hein. Ouais, les gueules. Les gueules, puis le public, quoi. Okay. Et elle dit, quand la musique, quand la musique. Oh, tiens. Coro Baby, bonsoir. Bonsoir. Dans quel état d'esprit es-tu par rapport à ton concert? Ouais, je suis très positif et très relax. Ouais. J'attends que le jour arrive pour montrer ce que j'ai dans le ventre. Là. Ok. Alors, Baby Philippe est beaucoup absent lors des concerts. Qu'est-ce que cela signifie? Absent comment? Bon, on ne te voit pratiquement pas lors des concerts des autres artistes, je veux dire. J'ai été au concert de Didier Léo. Le concert de Serge Beno. Le concert de Serge Beno, j'étais mal portant. Le concert de Kejivara, j'étais à l'intérieur du pays. Le concert de Mix aussi, j'étais en voyage. Alors, quelle est ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est ce que je vis au quotidien. Voilà, c'est tout ce qui passe à côté de moi, tout ce qui me concerne. Et voilà, c'est la nature et puis l'inspiration me vient aussi de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer le 8 décembre? Un ouragan de mélodie et un ouragan de paroles. Baby Philippe et les femmes? Baby Philippe et les femmes, ça marche. Vous êtes célibataire, marié? Célibataire avec un enfant, mais avec quelqu'un dans la vie, bien sûr, qui me soutient tout le temps. Baby Philippe en concert avec Youssoupha. Est-ce un duo ou un duel? Qu'est-ce qui va se passer? Un duo et un duel à la fois, parce que de ce duel peut sortir un duo. Voilà, donc... ce qui est sûr, il y aura quelque chose de nous deux sur scène. Voilà, et après on verra bien, parce que lui aussi c'est la star de l'autre côté. Voilà. Donc on verra ce qui peut se passer. Ce qui est sûr, rester posé et c'est Dieu qui a le contrôle. Alors l'émission est pratiquement terminée. Ton dernier mot? Mon dernier mot est que j'invite tout le monde à cultiver la paix, voilà, parce qu'il faut que, nous soyons dans un bel esprit, il faut qu'il y ait des zones positives ce jour-là. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de palabres, on veut que tout se passe dans un esprit positif. Donc j'invite tous les Ivoiriens à cultiver le peace and love et à être là le 8 décembre pour ne pas se faire raconter, parce que ça serait un spectacle inoubliable qui sera gravé dans les mémoires pendant des décennies. Yeah. Alors on va terminer avec un acapella du Coro Baby. Une fois de plus encore en freestyle, je m'installe des mélodies que je déballe. Tout le monde en parle, faut pas que tu prennes des balles. Les gens ont tellement parlé, ils ont tout raconté, mais je suis toujours calé, pas besoin de savoir danser pour vous égayer. Nous allons nous amuser, nous enjailler. Le 8 décembre, au palais de la culture, ça va cartonner. Ça va bouger, ça va déménager avec le Coro Baby à Croguilly. Respect. Alors merci à toi Coro Baby, l'émission est terminée. Rendez-vous le 8 décembre pour le concert du Coro Baby. Merci et au revoir. I'm gonna go.